Aujourd'hui, la filière est confrontée avec beaucoup de difficultés. Parce que je peux dire que notre filière est un peu compliquée. Pourquoi? C'est une filière que les gens ne comprennent pas d'abord. Parce que la capacité de la transformation, je vous donne un exemple, c'est comme une pomme de l'essence qui peut vendre 10 millions par jour. La pomme elle-même ne dépasse pas 1 million et quelques. Il faut dire que ce projet AgriInvest, qui est financé par la coopération italienne avec l'appui technique, la FAO, va en droite ligne donc avec la politique du gouvernement et donc celle donc du chef de l'État qui produit 1 million de tonnes de riz. Il faut travailler aussi à améliorer l'accès au financement pour que les transformateurs puissent aussi améliorer leur surface financière et constituer un bon fonds de roulement et acheter aussi des équipements performants pour améliorer la qualité et répondre aux exigences des consommateurs. Nous pensons que le projet peut contribuer à développer la filière au Burkina. Déjà, à travers l'analyse, on pourra comprendre les contraintes réelles qui existent sur le terrain et à partir de ces informations d'analyse, on pourra aussi mener des actions concrètes qui pourront lever ces boulots d'étranglement. Le projet AgriInvest de la FAO, c'est de très bonnes initiatives qu'il faut saluer, encourager et demander que le dit projet, dont le terme est attendu pour 2022, et bien qu'au terme de 2022, on ait évalué que l'impact est certain. Il est important qu'à côté du service financier que la banque apporte aux acteurs, et bien qu'il y ait un service non financier à côté qui renforce les capacités, qui mette les acteurs sur une même plateforme pour se parler, ainsi de suite. Donc moi je pense que c'est une très bonne initiative qui met sur le même plateau les différents acteurs, depuis le producteur, le fournisseur d'intrants au producteur, le producteur lui-même jusqu'à l'acheteur final, au transformateur final, pour assurer donc que dans le plat du consommateur, il y ait un produit qui soit de qualité.